Suite est aussi très important. Encore, je vais te partager un petit témoignage de ma part. C'est pour nous, à Rendez Cameroun, nous suivons, nous avons environ 4000 fans. Je crois que c'est super, mais je peux avoir 8000 fans. Les 4000 déjà, ça va. Et sur Twitter, moi, en tant que personne humaine, j'ai environ 1000 personnes qui me suivent de partout dans le monde. Et la puissance de Twitter, et ça je voulais juste souligner ça avant qu'on ne fasse une question, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça marche. Mais c'est très simple et ça a une étendue beaucoup plus large que Facebook. Parce que Facebook, c'est ton cercle d'amis ou tes connaissances, des gens que tu as pu apprendre. Mais Twitter, si tu mets certains mots-clés, ça va dans tout le monde entier. Par exemple, si tu mets le hashtag, donc le BTS, voilà, BTS Afrique ou Africa, c'est tout le monde en Afrique ou dans le monde qui cherche Africa va voir ton tweet. Ce qui fait que, par exemple, pour la première édition de Jeunesse Comment Entreprendre, il y a Georges Poudy, qui est le CIO de MTN Cameroun. Il a mis toute la publicité de Jeunesse Comment Entreprendre sur Twitter et il m'a envoyé un message inbox, un direct message, donc un message personnel, privé, voilà, sur Twitter. Il a dit voilà, MTN a un produit qui est en train de mettre en place, MTN Business. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette plateforme, votre plateforme pour faire la publicité? Et, ah oui, bien sûr. Voilà comment on s'est connecté, parce que quand j'ai publié, je voulais comment entreprendre au Cameroun, j'ai mis le hashtag entreprendre, j'ai mis le hashtag Cameroun. Donc, quand lui va check peut-être, quand il va peut-être consulter sur la page où tout le monde parle du Cameroun, il voit mon tweet. Et quand j'ai quelque chose une opportunité ou quelque chose d'intéressant, il voit ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est aussi ça. Le fait qu'il y ait 530 000 fans camerounais sur Facebook, ça veut dire que si tu as un produit, tu as environ, disons que tu as 10% de pénétration ou 10% du minimum, quoi. C'est quoi, 53 000 personnes qui peuvent avoir accès à ton produit si tu le présentes bien. Mais dans tous les cas, je sais que c'est très difficile de le faire. Nous proposons des services à différentes entreprises pour les aider à se mettre sur Facebook ou pour les aider à maîtriser Twitter ou LinkedIn même aussi. Elle n'a pas élaboré dessus, mais il y a aussi beaucoup de projets sur LinkedIn. Il y a Charlie Wang qui est là-bas derrière, qui a pu avoir beaucoup de projets à travers LinkedIn et d'autres réseaux sociaux, freelancers, des projets comme cela. Donc, nous, à Rambé, mais surtout l'entreprise que nous avons créée, dont j'ai parlé tout à l'heure, Solutionneuse, nous fournissons ces services.